Salut tout le monde, c'est quoi Moengus, et bienvenue sur FIFA 14 dans le mode Be a Pro avec mon quoi Moengus, joueur de l'OM prêté à la JOCR, numéro 23, buteur, 8 matchs, 5 buts, 0 passes décisives, 73 de général, 66 de tir, 76 de physique, 53 de passe, 54 de mental, 27 de défense et 67 de technique. Voilà. Au classement général, la JOCR est 8e. On a connu notre première défaite lors de la vidéo précédente. Vous voyez Marseille-Lille, Lyon-Paris-Montpellier, Bastia, Bordeaux-Océanis, Monaco que 10e, Toulouse-Saint-Étienne, Sochaux, Brest-Rennes, Nantes 3, Valenciennes-Lorient et Ajaccio. Voilà. Donc là. La victoire aussi pour les qualifications au championnat d'Europe de la Russie. On a perdu le premier match que je n'ai pas joué. On a gagné le deuxième que j'ai joué. Bon, c'est bien, voilà. On a quand même gagné ce match. Bref, c'est parti là pour Bordeaux-Auxerre. Alors avant de commencer, je voulais savoir si vous vouliez voir tous les matchs. Enfin, tous les matchs. Enfin, vous voyez que les buts, mais est-ce que vous voulez voir tous les buts de tous les matchs? Ou est-ce que... Ça vous dérangerait si je ne montrais pour l'instant que les gros matchs, entre guillemets, dans le sens où je montrais la saison, le calendrier. Donc là, Bordeaux. Voilà, prochain match, Toulouse, pourra par exemple ne pas le montrer. Montrer, bien sûr, le match contre Marseille, quand même, c'est important. Vu que Marseille, c'est le club qui me prête, hein. Voilà, Marseille. Montrer les sélections nationales, parce que c'est toujours intéressant. Après il y a Paris, donc du coup je le montrerai aussi. Nice, non. Alors, montrer la coupe, voilà. Toutes les coupes, par contre, je peux montrer les matchs de coupe. Mais voilà, après les matchs, voilà, comme Ajaccio, Lorient, je le montrerai peut-être pas. Je montrerai Monaco. On remet les matchs de championnat après. Saint-Étienne, je le montrerai sûrement. Sochaux, je le montrerai pas, par exemple. Voilà, je vais vraiment essayer. Enfin. Brestois, je le montrerai pas. Lille, je montrerai. Puis Marseille, je le montrerai après. Voilà. Donc, moi, dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, j'ai envie de vous montrer vraiment des matchs, entre guillemets, importants. Ou qui, en tout cas, pour moi, le sont. Parce que j'ai envie que ça avance vite. Et j'avoue qu'en ce moment, bon, bah, je suis pas spécialement très très dispo pour faire beaucoup de matchs à la suite pour faire mes vidéos. Après, ça va se calmer car il y aura une autre carrière que je vais faire sur la chaîne FMKO, sur Football Manager normalement. À partir de vendredi, normalement, une carrière sur Football Manager 2014, bien sûr. Donc voilà. Donc vous me direz. Alors, après, je vous avoue que je ferai un peu ce que moi j'ai envie de faire, mais j'aimerais bien avoir votre avis. Voilà, est-ce que vous voulez voir tous les buts de tous les matchs que je joue? Ou alors, est-ce que ça vous dérange pas si je zappe quelques matchs et que du coup, je vous montre que les matchs qui pour moi sont importants. Voilà. Bref, en tout cas, là c'est parti. Bordeaux, AJOCR. Je suis toujours attaquant gauche, c'est bien. Et c'est parti. Ouais, faut se battre les gars, allez! On s'arrache! Eh bien, 0-0 entre Bordeaux et la JOCR. Un match, il n'y a pas eu grand chose, vous allez voir dans les statistiques. Moi, 6 de notes, 1 tir cadré, 2 tirs non cadrés, donc que 3 tirs au final, c'est pas énorme. 71% de passes. 0 tir pour Bordeaux, 6 tirs pour nous, 3 tirs cadrés, dont un seul à moi. Voilà, un match pas terrible, terrible de notre part, ni de la part de Bordeaux, il n'y a rien eu donc. On va avancer rapidement. Allez, on s'en fout de tout ça, on avance rapidement. Match contre Toulouse. Je t'ai retenu dans l'équipe, merci. Eh bien écoutez, on va aller juste voir le classement après ce match nul. Nous sommes 7e toujours. Ok. Allez, c'est parti pour AJOCR Toulouse. Let's go.
ça. Faut vraiment se battre, les gars. Allez, passe! Bien joué! C'est bien, ça. Allez, Kwam! Allez, Kwam! Allez, Kwam! Mais voilà, Kwam Wanguss, c'est 35e minute du jeu! Kwam Wanguss et Q pour le score, 6e but, toute compétition confondue. Il est heureux, quoi. Ouais, bel appel, là. Je liste bien. Et puis, voilà. Le gardien ne peut rien faire. Balle en pleine lucarne, 1-0 pour la GOCR face à Toulouse. Et voilà, victoire de la GOCR. 1-0 face à Toulouse. À domicile, donc. But de Kwam Wanguss à la 35e minute de jeu. 6.7 de notes, c'est pas extra non plus. 2 tirs cadrés, 1 non cadré, 1 but, 70% de passe. Beaucoup de ballons perdus, mais bon, le ballon perdu, c'est aussi quand j'ai un appel et que les mecs ne me la passent pas, hein, donc c'est pas non plus forcément moi qui perds la balle tout le temps. Bref, 6 tirs, 2 cadrés, 2 tirs, 0 cadré. Ils ont eu la possession de balle, hein, légèrement, 54%. Mais en tout cas, c'est une victoire pour la JOCR. On va voir donc, bien sûr, la saison, la JOCR qui remonte à la 5e place. La JOCR est européen pour l'instant, après 9 journées bien entendu, mais le, nous sommes européens tout de même. Marseille, toujours aucune défaite, hein, comme Lille, 23 points déjà, 7 points d'avance. Paris 6e, waouh, Monaco 10e seulement, 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites. C'est assez tristouné tout ça. Je vous cache pas que c'est assez tristouné pour eux. Moi je m'en fous personnellement, mais c'est tristouné. Prochain match, bah, comme vous le voyez, contre l'Olympique de Marseille. Oulala, à Marseille en plus. Attention, attention, là c'est le match, c'est le match de l'année pour moi. Enfin, c'est l'un des matchs de l'année. Vu que voilà, je joue contre le club qui me prête. En plus, ils me font jouer, donc ils ont confiance en moi, comme quoi je vais pas non plus trahir le club dans lequel je suis. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti pour Olympique de Marseille à JOCR. Et là, attention, c'est un match qui est spécial, très spécial quand même. Hein, voilà, je joue contre le club auquel j'appartiens, auquel je suis normalement, et voilà. Bref, bah écoutez, c'est parti pour ce match, ce sommet. Ce sommet pour moi, c'est un sommet pour moi, c'est... Voilà, au stade Vélodrome, ah, là, 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 allez, c'est parti. Olympique de Marseille, Auxerre. Et c'est parti, donc, pour l'Olympique de Marseille, à Auxerre, un match que vous allez voir en intégralité, et oui, car c'est pour moi un match capital. Donc voilà, vous allez tout voir dans ce match. Vous verrez tout le match en entier, donc moi je vais devoir commenter pendant 90 minutes, enfin... Sur, pas en temps réel, heureusement. On n'a pas abusé non plus. Mais voilà, c'est un match très très important. Allez, je serre. Allez, aux Auxerrois, là, faut qu'on y croit. C'est bien ça. Tu me la passes en retrait, là, je suis bien placé. Ok. Ok, bon. Je vais essayer de bien jouer. 2-1 parce que je filme maintenant entier, donc j'ai envie absolument que... Bah de bien jouer, forcément. Puis bon, surtout, on joue contre Marseille, donc... Voilà. Donc je ne commenterai pas forcément tout le temps non plus. Il y a des moments où je vais être plus concentré, ou... Je sais pas, moi... C'est bien. Allez les gars, c'est bon. C'est bien joué, ça. Je t'ai vu. C'est un tir ça, ou... Ouais, 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 okay. Prends pas de risque, moi, c'est bien. Passe courte, plus 1, ok. Qu'est-ce qu'il y a eu, là? Ok, je sais pas ce qu'il y a eu, mais c'est pas grave. C'est toujours aussi bizarre, les fautes dans FIFA. Je sais pas trop ce qui se passe, des fois, mais il y a faute, ok. Oh, attention, Marseille attaque, attention! Jordan Ayew, c'est bon, c'est récupéré pas la défense auxerroise. À Bergel, que je ne connais pas. C'est bien joué, tu me vois partir. Non, c'est bon, c'est mort. Mais non, mais passe-la bien. Oh, c'est beau. Oh, le but. Le but de Stéphane Haller. À la 15e minute de jeu. L'Olympique de Marseille qui est mené 1-0. But de Haller.
Ah ouais, il se passe bien là. Il se fait un peu bousculer, mais oh la reprise de volée. Pop, 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 pop. Bien joué. Olympique de Marseille 0, Auxerre 1, 15 minutes de jeu. Et je vais partir, t'inquiète pas mon petit gars. Je suis buteur, mais je suis aussi passeur, mon petit gars. Oh là là, oh putain. Quam, 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 calme-toi, calme-toi. C'est pas le match où il faut prendre un carton, non, non. Faut jouer tout le match, quoi. On se calme. Les Marseillais, Jordan Ayew, mais je sais pas ce qu'ils font, là. Ils font plein de gris-gris, regardez, ils dribblent, mais ils dribblent quoi? Ils dribblent personne, là. Ils font n'importe quoi. Bref. L'IA est bizarre. Bon, je joue en pro, hein, certes, hein, je joue pas en légende ni rien, mais. Et 2-0! Bon, bah, ok. 22e minute de jeu. But de Sawadogo! 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 Viens par là, Sawadogo! Que je ne connais pas, hein. Il est tout seul! Et Mandanda, mais qu'est-ce qu'il fout? Oh là là, comment il se rate, Mandanda! Pas, pas, pas! Ouais, c'est bon, t'as vu. Oh, comme qu'il se prend en carton quand même. Merde. Merde, merde! Comme carton jaune à la 22e minute de jeu. Et bien, en tout cas, 2-0 pour la GOCR. Bon, j'ai pas fait grand-chose, moi. Voire même rien du tout. À part prendre un carton. C'est bien ça. Ouais, merde. Oh, je suis mauvais, je suis mauvais! Allez, attention là, GOCR qui est à l'attaque avec Ayew. Attention, Ayew! Jordan Ayew qui s'est bien contré en défense. Que vas-tu faire? Et ça se fait corner. Voilà, c'est corner pour l'Olympique de Marseille. Attention, 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 corner. Ça peut être dangereux, hein, le jeu de tête. Et bah, ça ne sera pas trop un arrêt de Léon. Qui m'a vu, j'ai fait l'appel, il m'a vu, super. Bon, il n'y a personne avec moi, mais. Donc, moi, faut que je fasse gaffe maintenant, parce que je vais prendre un carton rouge. C'est très con. C'est un peu le match quand même que j'ai pas envie de rater, auquel j'avais participé jusqu'au bout. Allez, l'attaque encore marseillaise. Jordan Ayew pour André, son frère, qui veut tirer, mais qui se fait contrer. Attention, il a encore la balle. Et non, c'est bon, la défense est là. Ouais, mauvaise passe. Mauvais appel, peut-être. Ah, attendez, attendez, excusez-moi. Un instant. Excusez-moi, petit coup de téléphone. Du coup, voilà. Je suis donc de retour maintenant. Voilà, c'est barre. Je raconte ma vie. Donc, AGOCR 2-0 face à Marseille. C'est étonnant que Marseille comprenne pas bien ce match et leur met 2-0 tout de même. Ah, et puis quoi, Mungus qui part en contre-attaque. Voilà, là, 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 allez, allez. Et il y a du monde au milieu, oui. Il y a du monde au milieu. Mais bon. J'ai cru voir étoile geste technique ou mauvais pied, je sais pas. J'ai vu plus étoile quelque chose, mais. J'irai voir ça tout à l'heure. Il m'a vu? Ah, oh, je suis hors jeu. Non, bah, je m'avais vu. Pour une fois qu'il voit bien. En plus, je suis pas. Ouf. Ouais, c'est vraiment limite, hein. Dommage. Donc, ouais, je disais, c'est assez étonnant quand même. Parce que Marseille, qui n'a pas perdu un match depuis le début de saison, là, qui se prend 2-0 déjà. Ouais. C'est assez étonnant. André Ayew. Qui passe sa main. Jordan n'a pas pu la prendre la tête. Et en plus, il fait faute. Donc, voilà. J'ai combien de notes? 6 points de notes, mais c'est assez lamentable. Enfin. Puis c'est pas ça qui va m'aider, hein, ces mecs qui font des passes de merde. Donc, oui, alors, Abdullah va la passer sur la gauche. Voilà, c'est fait. André Ayew qui centre-tire. Oulolo, ouh, c'était chaud ça, c'est quoi ça? C'est un centre-tir, c'est passé juste au-dessus. Je croyais qu'il y avait but, moi, sur le coup. Et voilà, donc. Après, ça me fait seulement bête que Marseille perde contre moi, mais en même temps, ça me fait aussi plaisir parce que voilà, ils ont pas voulu de moi dans leur équipe. Bon, j'ai pas marqué encore, donc du coup, ils doivent pas trop regretter, hein, vu mes notes de merde que je mets là. Bah, vu le match de merde que je fais en ce moment, ils doivent se dire, on a bien fait de le prêter, le petit quoi. Il mérite pas du tout d'être dans notre équipe. Même si son équipe gagne, voilà. En tout cas, c'est la mi-temps, 2 buts à 0 pour la JOCR, but de Haller et de Sawadogo. 15e et 22e minute de jeu. Ils n'ont rien fait. Hein. Les Marseillais n'ont rien proposé. Hein. Voilà. Comme un Gus carton jaune.
Je sais pas, non, on peut même pas voir les trucs, non, on peut même pas voir les... Non. Donc ouais, je vais quand même aller voir juste moi, c'est donc c'est un technique, il me semble que c'est un technique. Technique, c'est là. Voilà, j'ai 4 étoiles en geste technique quand même, c'est pas mal. Hein. Mais bon, je suis pas doué au geste technique, donc du coup voilà. Conduit des balles 75, ça quand tu t'es fait, bon, bref, 71 dribbles, voilà, ça c'est les pitoyables, tout ça. 34% de progression pour l'instant, ouais. Et en tir, j'en suis à quoi? 27 sur 106, 75 en finition, 75 en puissance de frappe. Voilà, c'est pour ça qu'on me disait, si, ouais, mais quoi, t'as que 65 en tir, comment ça se fait que tu tires aussi fort des fois? Voilà, j'ai quand même 75 en puissance de frappe, hein, c'est pas de la merde. Hein. Et en finition, 75 aussi, donc c'est aussi pour ça que je tire bien par moment. Voilà. Sans connotation. Bref. Allez, c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Mon conduit qui remplace Rudy Haddad. Et c'est parti. C'est donc reparti Allez les enfants. pour la seconde période On gère de ça. ce match. Tranquillement. J'en ai marqué un petit but là contre mon club, ça fera plaisir. Puis un petit 3-0 bien cinglant. C'est magnifique. Ouais. Ah ouais. André Ayew qui revient en défense, voyons. Ah, j'ai essayé de ne pas me prendre un rouge déjà. Ça serait déjà un bel exploit, pas prendre un rouge, parce que là j'avoue que bon. Oh la récupération de quoi, Mangus qui va tirer, oui, comme qui tire, parce que bon, quand même c'est un tireur quand même, il tire. Ouais, puis là on met 2-0, voilà, après les stats, c'est bien, mais on s'en fout un peu des stats. Hein. Ouais, c'était une passe à qui ça, on sait pas. Allez, allez, allez. On va se concentrer les enfants. Mathieu Valbonnet avec la ballon. Le ballon, le ballon, là sur le ballon. Et la passe à Benoît Chirou qui la perd mais qui l'a récupéré par Abdullah. Dimitri Payet qui la repasse à Valbonnet. Valbonnet qui l'a fait, il va la perdre. Oui, puis ça sort même pas. Dimitri Payet qui récupère la balle et il s'est bien arraché pour la récupérer. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il fait des gris-gris, on sait pas pourquoi, il est tout seul, on sait pas. Ah, Bergel qui a la balle, toi, un joueur que je ne connais pas, récupéré par les Auxerrois. Ouh là là, Valbona qui a récupéré, attention Valbona, Valbona. Voilà, pour qu'il s'arrête, c'est pas, il la passe, attention à Jordan Ayew, mais qui s'est fait arrêter lui, tout simplement. Tranquillement. Et Kouam qui fait une mauvaise passe, et Kouam qui fait n'importe quoi, Kouam qui joue mal, Kouam qui fait un mauvais match. Non, il n'a pas été payé par l'Olympique de Marseille, je vous le jure! Il n'y a pas eu de magouille contre... Non, il n'y a pas eu de magouille. Ouais, pourquoi ils font des passes comme ça, quoi? Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. C'est n'importe quoi de faire ça, parce que... Bah, ça sert à rien, c'est tout. Où la balle est passée pour le Serrois. Et voilà, il fait rien avec, mais elle s'est passée. Voilà, la passe en retrait. C'est parfait, ça se me la remet. Yamin, jamais, Yamin, penalty, carton rouge. Oh là 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 là, on se fait, non, on se fait voler. Bien sûr, je rigole. Ah, je suis en jeu. Oui. On a un petit périmètre là, c'est magnifique. C'est du Barcelone qu'on propose. C'est Barcelone presque. Oh là là là, oui, allez. Eh ben non, comme. Oh putain, ça y est, là. On va aller au pressing, car ils aiment pas les pressings, les joueurs. Regardez, ils font tourner, mec. Ils sont menés 2-0, ils font tourner tranquillement. Papa, on est serein, on est serein. Il reste 20 minutes, tranquille. 2-0, c'est easy pour nous, t'inquiète pas. André Ayew, pourquoi, regardez, pourquoi il fait ça, mais pourquoi ils font des... Je reviens sur mes pas, je fais ça, je dribble, je reviens sur mes pas, je fais un arrière, je... 6-2 pourquoi quand même, hein, ça c'est vraiment tristounet. J'aimerais bien marquer un but quand même, franchement, contre Marseille, c'est pas clair. Ça a montré qu'ils ont eu tort de ne pas me prendre dans l'équipe, à de me garder. Alors ça, certes, ils m'ont pas vendu, hein, mais... j'avais qu'ils ont... Ils m'ont pas gardé, ils m'ont pas vendu, mais ils m'ont prêté. Voilà, plus rapidement, hein, dès que je suis arrivé, bon, quoi, tu sais quoi, t'es bien sympa, mon petit gars, mais bon. Adieu. Allez, je suis parti! Oh, mais il va pas. Il me voit pas. Je suis invisible, c'était un jeu. Il y a vraiment un match de merde, j'ai pas fait un tir, je crois, ou. Et une tentative tout à l'heure de tir. Oh, attention à la belle action, attention! Oh là là, quelle belle défense par contre là, magnifique, magnifique, magnifique. Je suis moins agressif que quand je ne filme pas tout le match, hein, je vous le dis.
Je fais moins n'importe quoi aussi, dans le sens où bah, je tire moins déjà. Il va se tirer vers. Tu me l'armes, tu me l'armes. Ouais, super, ouais, c'est ça que c'est comme ça que tu me l'armes. Ok. Allez, touche pour nous. Livre Trépanier qui sort. Remplacé par Amafeltano et nous. Oula. Kvocic et Sepebia qui rentre. Ah, Sepebia va nous faire du bien, même si on mène 2-0. Allez, on gagne encore la touche, on avance, c'est bien. Voilà, moi j'écarte. C'est bien ça, c'est bon les gars. Un petit tir enroulé là. Ah bah, c'était un tir ça, quoi. Mais non, mais comme. Arrête tes conneries, comme s'il te plaît. Je t'ai vu là-bas, non, pas lui, c'était pas à lui, c'était à droite, c'était pas au centre. FIFA qui fait n'importe quoi, FIFA qui fait n'importe quoi, voilà, c'est tout. FIFA, tu demandes de passer à droite, tu passes presque à gauche des fois. Oh oui, Kwam! Mais non! C'est quoi ce tir? Oh putain, mais non, mais c'est n'importe quoi là, là. Putain, j'ai récupéré le ballon du siècle! Ouh là-bas, enfoiré! Et bon, c'est vite après, c'est magnifique! Master, 3 buts à 0, putain, 90ème. Oh là là, mais Kwam, qu'est-ce qu'il avait fait? Quelle action! On voit que la fin, comme par hasard. La tête est belle, hein, mais on voit que la fin. Mais arrêtez, mais montrez tout! Bon, sur la barre, mais. Mais on montre pas tout, c'est n'importe quoi, voilà. Pourtant, Kwam, qui a fait une superbe action, Kwam, qui était magnifique, gentil, magnifique, Kwam. Après ce qu'il a raté, alors qu'il avait fait une super récupération de balle. Bref! C'est fini, 3 buts à 0 pour l'Olympique de Marseille, et non, pour la JOC, face à Marseille. Je n'aurais pas marqué, j'ai fait un match correct, 6 points, 3 tirs cadrés, 2 non cadrés, 84% de passes, par contre ça c'est bien. Possession de la balle, le ballon perdu 8, le ballon gagné 7, donc c'est pas trop mal, 7-8 c'est un ratio de 1 quasiment. Les tacles 3 sur 5 réussis, hors de position 3 fois seulement. En tout cas on a gagné contre le leader. Vous voyez Marseille, 4 tirs, 3 cadrés, nous 9 tirs, 6 cadrés. Voilà, bah écoutez, 3-0 pour la JOCR. Que vous dire, je suis content, je suis déçu pour Marseille, bien sûr, mais je suis vraiment très très content, car au classement, ça va faire une très très belle opération pour nous. Car nous allons être maintenant, allez, voilà, 4e devant Paris. 19 points, plus que 4 points d'avance pour Marseille. Première défaite de la saison, c'est nous qui l'infligeons. C'est excellent. Voilà, voilà les amis, alors n'hésitez pas, donc, comme je vous l'ai dit, à me dire si vous voulez que je vous montre tous les matchs, ou après c'est Paris, ce sera pour la prochaine fois, comme là, ça, mais bien sûr, ce sera aussi un match à vivre en intégralité, à JOCR, Paris Saint-Germain, on va sauvegarder tout ça d'ailleurs. Carrière, production joueur, pam pam pam, hop, voilà. Donc oui, donc ce sera un match à vivre en intégralité, à JOCR, Paris Saint-Germain, très gros match en perspective. Bref, moi je vous dis à la prochaine. Donc oui, je disais, n'hésitez pas à me dire justement si vous voulez donc voir tous les, que les matchs importants ou si vous voulez voir tous les matchs, quoi. Voilà. Pas l'intégralité, hein, je parle bien des buts, hein, bien sûr, à part les quelques matchs que je choisirais moi à montrer l'intégralité. Comme la Marseille, comme Paris, comme Monaco sur des matchs sur l'intégralité. Mais dites-moi si ça vous dérange que je zappe un peu des matchs à ne pas vous montrer. Je vous dirai que les scores après, quoi. Contre Ajaccio, contre Saint-Etienne, contre Brest, tout ça. N'hésitez pas à me dire donc ce que vous préférez. Puis après, bah, j'aviserai moi. Voilà. Bref, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Merci encore à tous nos abonnés. Nous sommes bientôt 700. C'est comme on le dit à chaque fois, mais c'est énorme, c'est magnifique. Ça nous fait vraiment très 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 plaisir. Et donc, eh bien, écoutez, rendez-vous. Pour le billet pro, donc ça sera à mercredi prochain, qu'à partir de vendredi, il y aura ma série sur Football Manager, normalement. Le lundi, ça sera du Pro Soccer Manager, le mercredi, du FIFA billet pro, et le vendredi, ça sera du Football Manager. Voilà, voilà. Allez les amis, les enfants, les habitués, les abonnés, tout ce que vous voulez, je vous dis à la prochaine. Ciao!